Il est 19h. Bonsoir à tous. À la une de l'actualité ce soir, les chrétiens catholiques à l'unisson ont prouvé leur amour et leur attachement à Christ lors de la célébration de la Pâque à Kinshasa, comme partout dans le monde. Des célébrations eucharistiques ont eu lieu en ce dimanche spécial. Même si la guéguerre entre les catholiques et les églises des réveils subsiste autour de la célébration ou non de la Pâque. Des efforts de paix encore et toujours pour sortir l'Est du pays des crises à répétition. Énième initiative sur le front diplomatique, c'est celle du président Denis Sassou Nguesso. Autour de lui, deux présidents, Kabila et Museveni, qui croient en la réussite des pourparlers de Kampala. Et puis, cette autre actualité traitée par plusieurs médias dans le monde, la première comparution à la CPI d'un général renégat, Bosco Ntaganda. Première comparution, première polémique sur sa nationalité. Rebelle dit qu'il est rwandais, mais a préféré comparaître dans une langue parlée au Rwanda. Vous êtes très nombreux à nous suivre à Kitambo, Mongafula et Angaba. Merci à vous de rejoindre l'une des meilleures rédactions du pays. Un dimanche pas comme les autres pour les catholiques unis dans l'amour en Christ. Ces chrétiens ont célébré la Pâque qui rappelle la résurrection de Jésus. Mais vous connaissez cette vieille polémique entre les catholiques et les fidèles des églises de réveil sur l'opportunité de cette célébration. Nos reporters se sont penchés sur ces deux visions diamétralement opposées. La commémoration de la résurrection du Christ est une grande fête pour les chrétiens catholiques. À la paroisse Christ-Roi dans la commune de Kassavubu par exemple, c'est tous les fidèles qui ont répondu présents à cette Eucharistie. Chants de louanges, homélies et méditations sont au programme. Au même moment, l'Assemblée missionnaire de l'Ordre suprême à Bumbu, les fidèles se réjouissent de cette fête. Le pasteur Rubin Simbi, visionnaire de l'église, explique l'importance de cette fête chrétienne. La fête de la Pâque, c'est la fête la plus importante même à notre avis. Parce que c'est le sceau que Dieu a apporté sur l'œuvre rédemptrice de Jésus qui avait commencé depuis son incarnation et qui s'est achevée à la croix de Golgotha. Loin de toutes les jouissances, le pasteur François Mutombo de l'église Aseka Kalembelembe pense que cette fête n'est pas biblique et doit être célébrée dans nos cœurs pendant la Sainte Cène. Par rapport à notre doctrine, nous ne célébrons pas la Pâque. Du fait d'immoler cet animal, c'est ça qu'on appelle Pâque. Pâque, c'est l'agneau pascal, donc c'est l'agneau là qui était la Pâque pour Israël. Parce que Israël, ils étaient en Égypte, leur sortie devait coïncider avec cette cérémonie. On devait immoler l'animal et le sang devait couler. C'est alors qu'Israël devait maintenant cette nuit-là, le lendemain matin, sortir de l'Égypte. Et Dieu dira maintenant Moïse, parle aux enfants d'Israël, vous devez pour vous retenir cette date. Et cette date sera de temps à autre célébrée en Israël. C'est en souvenir du jour où l'Éternel vous a visité, il vous a fait sortir de l'Égypte. À chacun son interprétation. Première messe de Pâques du pape François sous d'intenses acclamations devant une foule nombreuse. Il a adressé un message à la fois d'espérance et dans la miséricorde de Dieu. Il a condamné rigoureusement les guerres, des prises d'otages et la traite des personnes. L'Argentin évoquait pour la première fois les violences en Syrie, les tensions en persistance entre les Israéliens et les Palestiniens. Euronews. Messe de Pâques et bénédiction Urbi et Orbi à la ville et au monde du pape François ce dimanche au Vatican. Quelques 200 000 personnes se sont massées sur la place Saint-Pierre. 18 jours après avoir été élu, le souverain pontife a célébré sa première messe de Pâques, événement le plus important du calendrier chrétien. Contrairement à ce que les médias attendaient et contrairement à ce que faisaient ses prédécesseurs, il n'a pas accordé sa bénédiction Urbi et Orbi en plusieurs langues. Il n'a parlé qu'en italien. Le pape François a appelé à la paix au Proche-Orient entre Israéliens et Palestiniens, à une solution politique en Syrie, à la paix en Irak, en Afrique, notamment au Mali, en République démocratique du Congo, en Centrafrique et au Nigeria, où des enfants sont otages de groupes terroristes, a déploré le souverain pontife. Il a également évoqué la crise dans la péninsule coréenne en souhaitant que les divergences soient surmontées. «
Parlons de notre pays maintenant et surtout de la situation sécuritaire dans l'Est. Cela a fait l'objet d'un mini-sommet à Ouyo, à Congo-Brazzaville. À l'invitation du président Denis Sassou Nguesso, Joseph Kabila et Yoweri Museveni ont exprimé de voir les pourparlers de Kampala aboutir à des résultats positifs dans les meilleurs délais entre le gouvernement de la RDC et la rébellion du M23. Commentaire de la presse présidentielle. Ouyo, département de la Cuvette en République du Congo, a abrité ce dimanche 24 mars le sommet quadripartite sous-régional République du Congo, RDC, Ouganda, Rwanda. Les chefs d'État des pays hôtes sont arrivés dans la matinée à l'aéroport d'Olombo. Le président de la République, Joseph Kabila Kabange, a été salué au bas de la passerelle par son homologue de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, avant d'être convié à un bain de foule au sortir des installations aéroportuaires. Des rencontres se succèdent en toile de fond la situation sécuritaire dans l'est de la RDC et dans la région de Grand Lac. La quadripartite d'Alima Palace à Oyo a permis au président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, de la RDC, Joseph Kabila Kabange, de l'Ouganda, Yoweri Museveni et du Rwanda, Paul Kagame, d'avoir des entretiens sur la situation sociopolitique dans la région de Grand Lac, particulièrement dans l'est de la RDC. Le sommet d'Oyo s'inscrit dans le cadre des efforts régionaux et internationaux entrepris par les Nations Unies, l'Union africaine, la Conférence internationale sur les régions de Grand Lac et la Communauté de développement de l'Afrique australe visant la stabilisation de la situation dans l'est de la RDC. Les chefs d'État ont réaffirmé que l'accord cadre du 24 février 2013 à Addis Abeba constitue une base essentielle pour la résolution pacifique de la crise et du conflit dans l'est de la RDC. Ils se sont engagés fermement à favoriser l'application de ces dispositions dans le cadre de mécanismes y afférents. Les chefs d'État ont par ailleurs exprimé le souhait de voir les pourparlers de Kampala aboutir à des résultats positifs dans les meilleurs délais. Abordant la question de la crise en République centrafricaine, les quatre chefs d'État ont exprimé leur vive préoccupation au regard des récents développements de la situation. Ils ont en conséquence lancé un appel pressant aux différentes parties afin qu'elles fassent preuve de retenue dans leurs actes, dans le respect de la vie et la dignité des citoyens centrafricains et des ressortissants étrangers. Le président Denis Sassou Nguesso, médiateur dans la crise centrafricaine, a été encouragé à prendre des initiatives dans le cadre de la CEAC en vue d'un retour rapide à la paix et la stabilité en République centrafricaine. Le sommet quadripartite d'Oyo sur la paix, la sécurité et la coopération pour la RDC est dans la région terminé. Le président de la République, Joseph Kabila Kabange, a pris congé de son homologue congolais Denis Sassou Nguesso avant de regagner Kinshasa en début de la soirée au terme de 45 minutes de vol. Plus de doute, la brigade spéciale d'intervention est désormais une réalité. Le Conseil de sécurité des Nations Unies l'a officialisé au terme d'une nouvelle résolution. Dans la foulée, le mandat de la MONUSCO a également été prorogé d'un an par le Conseil de sécurité. Il court jusqu'au 31 mars de l'année prochaine. Retour sur le contenu de cette résolution dans ce commentaire d'Oscar Bakandoa. Mise au point par Paris, la résolution s'inspire des résultats de l'accord régional d'Addis Abeba du 24 février. Cet accord interdit aux pays étrangers de soutenir les groupes armés actifs dans l'est de la RDC. La résolution créant la brigade spéciale chargée de combattre les groupes armés opérant dans l'est de la République démocratique du Congo est une force qui devrait compter plus de 2500 hommes. La brigade spéciale d'intervention sera formée des 3 bataillons d'infanterie assistés d'une compagnie d'artillerie et d'une compagnie de reconnaissance et de forces spéciales. Selon le secrétaire général adjoint de l'ONU chargé des opérations de maintien de la paix, Hervé Latsou, elle comptera 3069 hommes venus d'Afrique du Sud, de Tanzanie et du Malawi et sera opérationnelle d'ici juillet. Pour l'ambassadeur de France à l'ONU, il s'agit d'une innovation répondant à une demande expresse des Africains.
Selon le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, la résolution propose une approche nouvelle et globale en vue de s'attaquer aux causes profondes de l'instabilité à l'est de la République démocratique du Congo. Cette résolution renforce la mission des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo. Désormais, elle aura la tâche supplémentaire de mener des opérations offensives et ciblées, seule ou aux côtés de l'armée congolaise, dans le but de stopper le développement de tous les groupes armés, le neutraliser et le désarmer. Présent à New York, le ministre des Affaires étrangères Raymond Tshibanda a salué cette résolution du Conseil de sécurité. Pour lui, c'est une voie ouverte pour la paix dans la partie orientale de l'RDC. On l'écoute dans cet extrait. Puisse le déploiement de cette brigade être le plus rapide possible. Il en va de la vie et de la dignité des hommes, femmes et enfants du Nord Kivu, du Sud Kivu, de l'Ituri et du Nord Katanga. Il en va de l'intangible crédibilité de notre organisation. Qu'en est-il alors de celui qui a terrorisé le Nord Kivu, Bosco Ntaganda, en prison à la CPI, a comparu lundi pour la toute première fois. Contre toute attente, il a tenté de se dépouiller de sa nationalité rwandaise, mentionnée bel et bien sur le mandat émis par la CPI. Pire encore, il a préféré s'exprimer en Kinyarwanda, en lieu et place des langues parlées en RDC. Je voulais suivre ce commentaire de la rédaction avec Placide Kanza. Habillé à costume noir, cravate bleue, crâne bien rasé, calme et même sûr de lui, Bosco Ntaganda a fait sa première apparition publique lundi devant les juges de la chambre préliminaire 2 de la Cour pénale internationale. Contrairement à ce qui se raconte à Kinshasa, le seigneur de guerre a fait preuve d'un courage exceptionnel. Non seulement qu'il a rejeté en bloc les charges qui pèsent sur lui, c'est lui qui se faisait appeler Terminator, a confirmé sa nationalité congolaise. C'est là que tout commence, estiment les observateurs avertis. Les deux mandats d'arrêt émis contre le général Bosco Ntaganda le présentent comme sujet rwandais. Comment peut-il nier sans être contredit ce qui paraît désormais comme une évidence difficile de le dire pour l'instant? Il faut peut-être attendre l'audience de confirmation de charges prévue dans 6 mois. Un autre détail qui a révolté plus d'un Congolais, c'est la langue que Ntaganda a choisie pour s'exprimer devant les juges. C'est le Kinyarwanda. Là encore, les analystes se perdent en conjecture. Comment cet homme qui se dit Congolais ne maîtrise aucune langue officielle de la RDC? En Ituri, où il a évolué sous la bénédiction de l'Ouganda, il devait tout au moins parler l'anglais ou le swahili, langue du coin. Et non, le pauvre Congolais Bosco Ntaganda est général dans l'armée congolaise sans avoir appris ni le français, langue officielle des communications à RDC, ni le swahili parlé à l'Est et considéré comme une langue internationale. Ntaganda a-t-il étudié avant d'être promis au rang de général de FRDC? Si oui, c'est où et quand? Sinon alors, il y a de quoi faire le deuil sur l'avenir de toute la nation. Car n'importe que premier venu peut au nom de tour de passe-passe du genre mixage et brassage se voir attribuer la plus haute distinction de l'armée nationale. En attendant, c'est le 23 septembre prochain que Bosco Ntaganda reviendra devant les juges pour l'audience de confirmation de charges. L'homme reconnaît les crimes dénoncés mais clame son innocence. Ce qui fait dire quelques esprits malins que Ntaganda ne mourra pas seul. Il va, le moment venu, faire le grand déballage. La mission des Nations Unies au Congo a donné des explications sur la comparution de Bosco Ntaganda à la CPI. Autre sujet important abordé lors de la vidéoconférence, la situation sécuritaire au Katanga, quelques jours seulement après les incidents qu'a connu la ville de Lubumbashi. Et en ce qui concerne le tout premier sujet sur Bosco Ntaganda, Paul Madidi, chargé de communication à la CPI en RDC, a invité... il a été joint au débat. Il est largement revenu sur la procédure à suivre dans cette affaire. Mariam Boya, bienvenue Kassa. La première comparution de Bosco Ntaganda figure parmi le point abordé dans ce face-à-face de la MONUSCO et les professionnels de médias. Répondant aux questions de Chevalier de la Plume, Paul Madidi indique que Bosco Ntaganda est poursuivi pour plusieurs crimes, dont crimes de guerre et crimes contre l'humanité, commis en Ituri entre le 1er septembre 2002 et fin septembre 2003, éventuellement ceux qui jusque-là n'ont pas fait objet de mandat.
il est possible qu'ils soient concernés par d'autres allégations des crimes, notamment dans le Kivu, dont la situation fait objet d'enquête du bureau du procureur. Mais pour l'heure, retenez que les faits pour lesquels il se trouve devant la Cour pénale internationale sont des crimes commis entre 2002 et 2003. Et nous espérons que la reddition et maintenant la présence de M. Bosco Ntaganda à la Cour pénale internationale, dans l'ensemble, par rapport à la paix, à l'est de la République démocratique du Congo. Quant à la situation survenue ce week-end à Lubumbashi, la MONUSCO fixe les esprits. Qui revendique l'indépendance, si vous voulez, la sécession du Katanga par rapport au reste de la République démocratique du Congo. Le Katanga, où la menace est beaucoup plus sérieuse, la poussée qui avait été exercée par les forces armées de la République démocratique du Congo et la MONUSCO a poussé les FDLR vers le sud du Sud-Kivu, donc le nord du Katanga, dans la zone de Bendera. Et nous avions déployé une force significative du bataillon béninois dans cette zone. Par ailleurs, la situation humanitaire reste préoccupante à travers le pays. 35 000 réfugiés centrafricains sont identifiés à l'Équateur et en province orientale. À Zongo, par exemple, la capacité d'accueil de cette ville risque de poser problème prochainement si l'on y prend garde. On reste dans le domaine de la sécurité. La police nationale va bientôt disposer de son propre académie pour la formation des policiers. Les partenaires promettent de contribuer à l'initiative. Le préalable dans cette démarche, c'est d'avoir, bien sûr, un terrain. Et de ce côté-là, pas de souci. Le ministre des Affaires foncières a remis officiellement le titre de propriété au ministre de l'Intérieur au cours d'une cérémonie jeudi au cabinet du ministre. Reportage de nos confrères de la chaîne nationale. Cette fois-ci, c'est sans doute la bonne pour le coup de pouce de la construction de l'Académie de la police par le partenaire et bailleur de fonds lorsque le ministre Robert Mbouinga, en charge du secteur foncier, s'active à trouver les sites appropriés de ce centre de formation paramilitaire en RDC. La prospection a continué pour tomber sur un troisième site, toujours dans la circonscription foncière de Ntsélé. C'est ce qui inscrit la cérémonie au jour d'aujourd'hui de la remise officielle des titres des propriétés aux bénéficiaires qui n'est autre que la police nationale, qui désormais a un site répondant aux normes urbanistiques pour la construction de son centre de formation nécessaire pour une mise à niveau de force de la police nationale congolaise, garante de la sécurisation de la population en RDC. Le vice-ministre de l'Intérieur, Égide Michel Ngokoso, représentant le ministre à la cérémonie, a réitéré ses remerciements à l'endroit du ministre Robert Mbouinga qui a tenu de concrétiser ses projets. Le commissaire général de la police, le général Charles Bissengimana, a salué l'effort mené par le gouvernement pour la matérialisation de ses projets dans le cadre de la réforme de la police. On en vient à la politique. Après les vacances, retour aux piles de dossiers à traiter pour les parlementaires à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. On attend, vous le savez, dans cette institution, des lois extrêmement importantes pour une meilleure gestion de l'administration provinciale. Et puis, il y a bien sûr le contrôle parlementaire. Le président de cet organe délibérant a, lors de l'ouverture de la session samedi, donné des garanties. Rossil Martin Bouyamba, bienvenue Kassa pour les détails. Après 3 mois de vacances parlementaires, les revoici renoués avec leur coutume traditionnelle, celle de légiférer et des contrôles parlementaires. Le président de cet organe délibérant se veut rassurant. Ma certitude est que chacun des honorables députés a su mettre à profit ces vacances parlementaires pour communier avec la population. Une attention particulière sera accordée au cours de cette session ordinaire de mars 2013 à l'examen et au vote du projet dédié portant réduction des comptes de la ville de Kinshasa, rappelle Roger Ntsingimbemba. L'homme invite par ailleurs l'exécutif provincial à déposer dans le délai ce texte des finances. Dans le même ordre d'idées, l'Assemblée provinciale de Kinshasa va auditionner et diligenter des missions d'information auprès des ministères provinciaux de l'Intérieur et des Finances sur la gestion et
budgétaire. Auparavant, le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa est largement revenu sur la situation macabre que vit la population de l'Est de la République démocratique du Congo. Cela suite à l'instabilité causée par les ennemis de la paix. Le président Tsingy relève deux objectifs principaux causes de cette instabilité dans la région. La déstabilisation des institutions démocratiques et la balkanisation de la République démocratique du Congo. Il ne leur reste plus qu'à matérialiser toutes ces belles paroles à la réalité dans les trois autres mois d'activité parlementaire. L'RDC est connectée à la fibre optique après des mois d'attente. Le pays jubile. Le Premier ministre a procédé au lancement des travaux de la ligne Kinshasa-Kasumbalesa samedi à partir de l'aéroport international de Ndjili. La SCTP est donc mise à contribution en sa qualité d'opérateur public pour offrir une meilleure qualité de communication à haut débit et à moindre coût. Doudou Ndombé, Ruth Meta, Patialouma. La connexion des quatre provinces à la fibre optique n'est plus un simple rêve. D'ici trois ans, le Bandundu, les deux Kasaï et le Katanga vont bénéficier des bienfaits de cette technologie de pointe. Grâce à un financement de 221 millions de dollars américains de Exim Bank, environ 3250 km vont connecter ces provinces avec des canaux de transmission à haut débit à moindre coût. À travers l'opérateur public, la SCPT, la RDC pourra à son tour desservir les autres pays de la région. La SCPT est appelée à jouer son rôle de réseau de référence. Nous profitons ici de cette opportunité pour annoncer haut et fort que la SCPT a développé à son sein une structure qui s'occupe rien que de la gestion de la fibre optique. Des formations du personnel ont été assurées. La fibre optique offre plusieurs avantages. L'augmentation des recettes publiques, la sécurisation des informations et leur fiabilisation. La fibre optique est également créatrice d'emplois directs et indirects. Compte tenu de la desserte désastreuse en électricité, le ministre des NTIC promet de recourir à d'autres sources d'énergie pour plus d'efficacité. D'abord parce qu'on a un projet de téléphonie rurale qui va fonctionner sur l'énergie éolienne ou l'énergie solaire. Nous avons un problème avec l'électricité, le courant électrique, si vous voulez, traditionnel, mais à ces niveaux, vous savez aussi que l'Assemblée nationale est en train d'examiner un projet de loi sur la production, la distribution et la commercialisation de l'énergie électrique. Cette deuxième phase est rendue effective grâce au partenariat sino-congolais. L'exploitation et la maintenance seront assurées conjointement par des ingénieurs chinois, des CITCC et congolais. Des matières financières maintenant à la Banque centrale du Congo. Le comité de politique monétaire, qui était à sa troisième réunion ordinaire vendredi, se félicite de la stabilité du cadre macroéconomique. On note que le taux directeur demeure à 3% et le coefficient de la réserve obligatoire à 7%. La réunion s'est tenue au siège même de la Banque centrale du Congo. Mariam Boya, Patialouma. Ils se sont une fois réunis. Le membre du comité de politique monétaire s'est sans penché sur l'évolution de la conjoncture économique et les perspectives d'avenir à l'issue du premier trimestre de l'année en cours. S'agissant de l'économie mondiale, les prévisions tablent sur une légère accélération de la croissance économique en 2013. Quant à la situation macroéconomique intérieure, elle garde le dynamisme de l'activité économique sur fond de stabilité de prix à la consommation, alors que le marché d'échange n'a pas connu de fluctuations. Jules Bondombe Asango, vice-président du CPM, a bien de raisons de se féliciter de la stabilité de la monnaie nationale. Sur le marché d'échange, la monnaie nationale est demeurée stable au premier trimestre. Une dépréciation marginale du cours de change indicatif des 0,1% a été observée. Il importe de relever que la Banque centrale du Congo a procédé à la vente de devises de l'ordre de 24 millions de dollars au mois de janvier pour prévenir et atténuer la volatilité du taux d'échange observé au début de l'année. Par ailleurs, les conditions sur le marché monétaire se sont relativement améliorées. Un recul des taux d'intérêt a été noté sur le marché interbancaire et des billets de trésorerie. Ces taux se situent depuis le début de l'année autour de 2,5%
et 0,7% respectivement. Par ailleurs, les efforts sont fournis conjointement par le gouvernement et la Banque centrale du Congo pour renforcer la crédibilité de politique macroéconomique via pérennisation de la stabilité de la structure de prix et du taux de change. Ainsi, cette stabilité devrait contribuer significativement à l'amélioration du climat général des affaires et à la promotion d'une croissance forte et soutenue. Toujours dans le secteur d'urbanisme et d'habitat, Fridolin-Kachwesi a lancé officiellement le démarrage des travaux de construction de la cité Joseph Kabila à Bondalungwa. C'est la société chinoise SZTC qui en est le maître d'ouvrage. L'objectif, c'est de doter Kinshasa des logements décents qui répondent aux normes urbanistiques modernes. Élisée Bilonda Kasonga, Blanchard Candolo. La cité Joseph Kabila sera constituée de logements répondant aux normes internationales en matière d'habitat. Des appartements modernes, un supermarché, un hôpital et même une école primaire y seront construits. La première phase des travaux ainsi lancée sera consacrée essentiellement à la construction de la zone d'appartements et celle des villas respectivement indépendantes. Pour le président directeur général de la société chinoise SZTC, commise aux travaux, cette œuvre, fruit de la bonne coopération Chine-RDC, va permettre de combler le déficit des logements décents, comme le souhaite vivement le chef d'État Joseph Kabila Kabangé. Pour ces quinquennats placés sous la vision de la révolution de la modernité, l'habitat y occupe une place de choix. C'est un secteur prioritaire, comme l'explique Fridolin Kasushi Musoka, ministre en charge de l'urbanisme et habitat. La cité dite Joseph Kabila, dont le projet dessiné en maquette à la vue de tous est un joyau de modernité, en tout point de vue, est une toute première à Kinshasa depuis bien longtemps. Il est prévu la construction de plus ou moins 1000 unités de standing élevées, accompagnées des infrastructures, des bases et équipements publics de qualité très acceptable. Ces sites constituent un point de départ pour notre gouvernement et mon ministère en particulier. C'est le 19 septembre 2011 que le protocole d'accord pour la mise en œuvre de ce projet immobilier a été signé entre le gouvernement et la société Zengwai Technic Corporation. Fridolin Kasushi Musoka insiste sur le respect de normes urbanistiques et environnementales pendant l'exécution des travaux pour un délai de 5 ans. Évaluation samedi du protocole d'accord entre le gouvernement et l'intersyndicale de l'EPSP. 2 mois après sa signature, les deux parties sont arrivées à la conclusion que le cahier des charges des enseignants est pris en compte, notamment la principale revendication, celle de l'amélioration des conditions de vie de l'enseignant. Rosa Wazi, Dieu merci Sweka. 2 mois après la signature du protocole d'accord entre les deux parties, il a fallu un temps pour évaluer ce qui a été fait et ce qui reste à faire. La majoration du salaire de base de l'enseignant, revue à la hausse à hauteur de 7000 francs congolais, sera payée d'ici le mois d'avril prochain. Quant à l'enveloppe des primes de fonctionnement, le gouvernement rassure qu'elle sera doublée. Il y a de quoi redonner les sourires à ces syndicalistes. La première communication apportée sur l'exécution du cahier de notre protocole d'accord, issu de la commission paritaire gouvernement syndicat ayant eu lieu au mois de janvier du 9 au 13, au 12 pardon, et il ressort de cette communication que le gouvernement a déjà liquidé, n'est-ce pas, certaines clauses dont nous étions entendus, en l'occurrence la paye de la base. Tout compte fait, il reste que les enseignants remplissent leur part des contrats. Nous disons, camarades enseignants, qu'ils doivent garder leur calme, comme nous leur disons toujours. Nous sommes en combat, c'est toute une lutte. La lutte comprend certaines péripéties, qu'on appelle généralement les batailles, n'est-ce pas? Et il y a les batailles, on les gagne au fur et à mesure. Ils gardent leur calme et leur intersyndicale est là au four et au moulin pour leur bien-être. Le gouvernement et les banques syndicales s'engagent ainsi à s'impliquer pour l'amélioration de la qualité de l'enseignement dans notre pays. Voilà, mesdames et messieurs, ce qui met fin à ce journal. J'aurai le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine, mardi, mercredi et jeudi. Voilà, au revoir et à la semaine prochaine. Bon week-end.